This test carries out a series of compressions on the insole at the forefoot in order to reproduce the movement of a player's foot when moving forward. It measures the shoe's capacity to return energy in order to grade its forward dynamics. J'ai bien aimé aussi pour tout ce qui est les appuis latéraux, donc ça on a un bon dynamisme au niveau des reprises d'appui, des bouts de course et des changements de direction. C'était vraiment agréable de pouvoir bien repartir après le service en reprenant son impulsion, notamment pour venir au filet. Au niveau du dynamisme, j'ai trouvé qu'on pouvait facilement repartir vers l'avant avec cette chaussure ASICS Gel Resolution, mais j'aurais préféré avoir un peu plus d'assistance de la part de l'arrière de la chaussure. This test applies homogeneous shock to the heel in order to simulate split steps. It measures intensity at the beginning and at the end of each split step to provide the rate of cushioning. J'ai bien aimé l'amorti général de cette chaussure ASICS. Alors côté amorti, c'est vraiment une bonne surprise parce que j'ai tendance à avoir des appuis assez marqués au niveau du talon et là j'avais un bon retour d'énergie, donc vraiment un gros plus. J'ai trouvé l'amorti de cette chaussure plutôt bon, mais j'aurais préféré avoir une semelle intermédiaire un peu plus tendre pour ressentir moins d'impact au sol. This test, the shoe is twisted in each direction at the midfoot in order to simulate a sideways change of direction. It measures the shoe's ability to stabilize the foot and ankle without hampering sideways motion. J'ai le pied et la cheville assez fin et j'ai ressenti un léger manque de maintien au niveau de la cheville lors de mes déplacements latéraux. Alors j'ai trouvé que le maintien de cette chaussure ASICS était très bon. Et j'ai été bien sécurisé, notamment sur mes déplacements latéraux. Alors cette chaussure, elle est vraiment agréable lors des déplacements latéraux. On est bien maintenu au niveau du médio-pied. Par contre, j'ai des problèmes de cheville, donc c'est vrai que je peux avoir une petite gêne. Et j'ai trouvé que le maintien dans cette zone aurait pu être un petit peu amélioré. This test exposes the outsole to wear with the help of an abrasive cloth. Testing is carried out at the part of the outsole most exposed to abrasion and will measure the loss of rubber in cubic millimeters. J'ai bien aimé son confort global, le pied est bien enveloppé au niveau des orteils, on a un bon espace aussi de vie à l'intérieur de la chaussure, on n'est pas serré ou étriqué, donc le pied est très bien aéré. Alors j'ai trouvé cette ASICS Gel Resolution vraiment intéressante en termes de confort lors des déplacements vers l'avant, c'était vraiment agréable pour les changements d'appui. J'ai trouvé cette chaussure ASICS très confortable, notamment au niveau de la languette et de la cheville qui sont rembourrées, mais pour moi qui ai les pieds larges, j'ai ressenti des petits frottements au niveau du petit orteil.